Étienne Saint-Forien, Kalala Mbalandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka, Botenabino Banso. Wanduguwa Penzi, Wanainchi Ote, Nawasalimi Yanini Ote. Banabetu, Basubwe, Moyoweno, bonsoir. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bande de Konabi Soubaba Olingo. L'actualité aujourd'hui est dominée par le dépôt de la pétition de 250 députés et plus, c'est plus que ça. Alors, ils sont accompagnés par le peuple congolais, ils sont déjà là. Vous pouvez le constater par les extraits vidéo que nous allons vous mettre. Donc, Bokomona. Peuple congolais, Azaliwana, Bazali Koyemba Banzembo, Bamosusu, Bazali Kosenga, certificat de décès, il y a coalition pour la lobby. Donc, deuxième titre, Ezali Ko dominé, Ezali adresse du président de la République lobby au peuple congolais. Vous entendez dans toutes les bouches, il chante. Il demande le certificat de décès de la coalition FCC-CACH. Demain, c'est l'indépendance du Congo, disent certains. Alors, l'autre information dont nous n'avons pas la confirmation, c'est une information de ma mission TV, MMTV. Voilà. Ils disent que le président. L'ancien président Joseph Kabila a été encore empêché d'aller à Lubumbashi. Voilà, c'est une information confirmée par d'autres médias. Donc ça, nous allons essayer de voir dans les médias, dans la presse écrite. Voilà, chers compatriotes, regardez les extraits de vidéos. Vous allez comprendre que les députés sont décidé à déposer la pétition. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas venus à 10 h, mais on les attend. Le peuple les attend. D'autres informations font état du Parlement qui serait fermé. Je ne sais pas. Bon, ça, nous allons voir. Regardez. Que je dois aller. Oh,
adresser au peuple congolais que la pétition initiée par les députés nationaux contre le bureau de l'Assemblée nationale dirigé par l'honorable Janine Mabunda Yoko a dépassé les 250 signatures et elle va être déposée dans quelques matins au bureau de l'Assemblée nationale. Quels sont les signataires de cette pétition? Est-ce qu'il y a aussi certains députés FCC? Je voudrais dire prostituer des députés de l'AMUKA, des députés de CASH et certains autres députés de plusieurs groupes parlementaires du FCC. Donc, la majorité absolue des députés qui composent l'Assemblée nationale a retiré sa confiance au bureau de l'Assemblée nationale. Et par conséquent, la réqualification de la majorité au niveau du Parlement est effective. Il est donc possible pour les chefs de l'État aujourd'hui de tenir compte de cette dynamique interne à l'Assemblée nationale pour désigner les formateurs qui pourra identifier de manière formelle cette majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Quand est-ce que la pétition sera déposée? Le programme de dépôt de cette pétition sera présenté dans les heures qui suivent et nous demandons au peuple congolais de pouvoir accompagner les députés nationaux qui aujourd'hui ont pris le destin en main pour mettre fin au règne des autorités morales qui s'intercalent et interfèrent dans la gestion de l'État. Nous croyons que cette occasion va permettre au président de la République de pouvoir désigner les nouveaux animateurs qui vont devoir répondre de manière efficace aux besoins du peuple congolais. Voilà, c'était donc le député de l'opposition, Moïndo Zangui, qui répond. Voilà, Botika la branchée, chers compatriotes. Député, comme il a noté, ce qui a commis, voilà, te lancer Bino Bilili. Voilà, chers compatriotes. Donc, les lots. Donc, le coup là-bas, député, Bakoya d'un moment à l'autre. La preuve, peuple a sali accompagnement. Bon, confirmation, il y a Kabila bloqué à l'aéroport. Baboya Kende Lubumbashi. C'est confirmé, on nous l'a confirmé. Vous pouvez le vérifier sur différents médias. Voilà, bande Konabiso Babolingo. On s'arrête ici. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Demain, c'est la victoire du peuple.